Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle David Gageot, je suis développeur advocate chez Google. Je travaille sur la plateforme cloud et en particulier sur les conteneurs Docker, Kubernetes. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Kubernetes et Istio. Alors avant de commencer, je voudrais faire savoir un petit peu dans la salle qui utilise Docker tous les jours au travail. Quand même, pas mal. Kubernetes, hein? Ah, beaucoup moins, là. Ok. Qui a déjà entendu parler d'Istio? Ok. Bon, bah, vous êtes dans la bonne salle, a priori. C'est pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de transformer une application existante, monolithique, en utilisant au maximum Kubernetes et Istio. D'accord? L'idée, c'est que, quand on entend parler de Kubernetes, la plupart du temps, on parle microservices, architecture du futur, on est en train de tout réécrire en microservices. Et puis dans la vraie vie, quand je vais voir les vrais développeurs, ils sont sur des projets legacy, monolithiques, un petit peu englués dans tout ça. Alors peut-être qu'il y a un projet quelque part de transformer des bouts en microservices, mais c'est un petit peu au bout du tunnel. Alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là. Ouais, non ? Ouais, une petite moitié, une bonne moitié quand même. Je vois quelques sourires malgré les lumières. Bon, pour ça, il a fallu que je choisisse une application existante monolithique. J'ai pris celle-ci. J'ai pris le Pet Store Java. Qui connaît le Pet Store Java ici? Ouais, quand même. Hein. Donc le Pet Store Java, c'était la version originale, a été développée par Sun. Et l'idée, c'était de montrer la toute puissance de la plateforme Java pour faire des applications web. Donc là, c'était un site de e-commerce pour vendre des animaux. Et donc on a le front-end, le back-end, la base de données, une API REST, on a un petit peu tout ça dans un même monolithe. Et puis cette version que j'ai prise, elle est un peu plus récente, c'est une version qui est faite par Antonio Goncalves, et là c'était l'idée, c'était de démontrer la toute puissance de la plateforme Java E pour faire des jolis monolithes. Donc là vous voyez la liste des, c'est écrit en petit, mais la liste des technologies, il y en a beaucoup dedans, parce que pareil, il y a le front-end, le back-end, la base de données, du web, de l'API REST, tout ce que vous voulez. Dans un seul et même monolithe. Alors, je vous laisse prendre un petit peu connaissance de l'architecture applicative du Pet Store. D'accord ? Je vous laisse fouiller dans tous les détails. C'est notre monolithe. D'accord ? À l'intérieur, il ne faut pas ouvrir, ça sent mauvais. Alors, on va commencer déjà par déployer ça sur Kubernetes. Si vous ne connaissez pas bien Kubernetes, ce sera l'occasion de voir comment on déploie une application comme celle-ci sur Kubernetes. Et en particulier, de voir que c'est assez simple, finalement. On imagine beaucoup de choses et beaucoup de complexité. Finalement, il suffit de prendre cette application et de la construire dans un conteneur Docker pour avoir une image Docker à la fin, et on va déployer ça sur Kubernetes assez facilement. Et c'est le cas de quasiment toutes les applis qui tournent sur Linux. On peut les faire tourner dans un conteneur avec, en gros, une heure de boulot. Hein. Pour ça, en fait, ce qu'il faut, c'est un Dockerfile. Je ne sais pas si vous arrivez à lire mon Dockerfile, hein, tout au bout, ouais. Ça va être un peu petit au bout, non? Et l'idée, de toute façon, c'est pas vraiment de comprendre tout ce qui se passe dedans. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai ce qu'on appelle un multi-stage build. Donc c'est un build en deux étapes. On a une étape pour construire l'application. Et là, on installe Maven, on installe Java, on installe tout ça. On va aller chercher les sources de l'application directement sur GitHub. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, les développeurs de l'application, ils sont partis. Ils veulent plus toucher, ils veulent plus faire de Java, ils font du Haskell maintenant. Ils ont peur, ils veulent plus, et donc on va même pas installer les sources sur ma machine, on va juste les télécharger directement dans l'image Docker. On va lancer Maven pour construire un joli war, et ensuite on a une deuxième étape dans le build qui lui en fait va se concentrer vraiment sur l'image la plus petite possible pour faire tourner mon appli. Plus besoin de Maven, pas forcément besoin du JDK, et puis on a juste besoin d'un serveur d'application, juste besoin d'un serveur d'application JBoss Whitefly et de mon application elle-même, qui a été construite dans la première phase et qu'on vient copier dans la deuxième phase. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais globalement, c'est un build Docker en deux phases. Une phase où on a tous les outils du monde dont on a besoin, et une phase qui donne une image toute petite, qui va être rapide à déployer et qui va avoir une surface d'attaque en termes de sécurité réduite, puisqu'il n'y a vraiment que mon application. D'accord ? Ça, c'est l'image pour construire mon Docker. Et ensuite, pour déployer ça sur Kubernetes, j'ai besoin d'écrire un petit peu plus de fichiers, en l'occurrence des fichiers YAML. Qui aime le YAML ici? Ah, quand même, hein, y en a. Il y en a un qui est presque debout, hein, genre lui, YAML forever. Alors, je t'appellerai la prochaine fois pour écrire tous mes YAML, parce que
Moi, j'aime pas trop. Mais effectivement, Kubernetes, il va falloir vous y habituer. Il y a pas mal de YAML à écrire. Ça va être un peu comme si vous codiez, mais avec des espaces. Donc pour ça, on va parler la langue de Kubernetes. On va décrire deux objets dans Kubernetes. On va décrire un déploiement. Ce déploiement, il a un nom. Et puis, ce qui est intéressant ici, parmi tous les termes qu'on voit, c'est surtout le nom de l'image Docker que je veux déployer. Le reste, c'est un petit peu inintéressant pour l'instant. L'idée, c'est qu'un déploiement, c'est on va parler à un cluster Kubernetes qui est composé de plusieurs machines, mais on se fiche de savoir l'adresse des machines ou combien il y a de machines. On va juste dire, je veux voir tourner cette image Docker quelque part. Et puis, une fois qu'elle tourne, cette image Docker, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir y accéder en tant qu'utilisateur, on veut pouvoir se connecter, et pour ça, on a besoin d'un deuxième objet Kubernetes qui est un service. Et le service, en gros, ça va exposer ce port 8080 à l'extérieur du cluster. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir la démo. Les gens vont pouvoir se connecter à mon application Pet Store. Donc on a utilisé un déploiement, un service. Donc on va construire mon image. J'ai dû le faire déjà, mais on va quand même le faire. Ouais. Je construis mon image Pet Store. Bon, j'avais déjà construit, donc ça va aller vite. Et puis ensuite, dans mon répertoire ici, K8S, j'ai les deux fichiers YAML que je vous ai montrés. Et donc, je vais parler à Kubernetes avec la ligne de commande. Et je vais lui dire, voilà, prends ces deux fichiers, envoie-les au serveur et au cluster. Et à partir de ce moment-là, je voudrais voir cette application tourner sur mon cluster. Donc, le temps que le cluster se mette en marche et déploie vraiment l'application. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe maintenant. C'est que Kubernetes, il voit arriver ces descriptions YAML et il dit voilà, ça c'est l'état attendu de mon cluster. Je vais aller voir sur le cluster qu'est-ce qui tourne vraiment. Ah, pour l'instant rien. Eh bien, je vais corriger la différence en démarrant les conteneurs, en exposant les services. Et voilà mon Pet Store déployé sur un cluster Kubernetes. Donc vous pouvez voir que c'est pas franchement joli joli. Hop, on peut acheter des animaux. C'est un joli legacy, d'accord? Bon, mais quand même, ça tourne sur Kubernetes, c'est chouette, non? Non? Ouais. Effectivement, on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur mon cluster Kubernetes. J'ai des objets qui ont été créés. On va se dézoomer un peu parce que c'est pas très lisible. J'ai eu un déploiement qui a été créé, ça c'est normal, ce que j'avais demandé. Et puis, il y a un pod qui a été créé. Alors ça, j'avais pas décrit que je voulais un pod. Mais un pod, c'est l'élément le plus petit dans un déploiement Kubernetes. C'est là que tournent les conteneurs. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Mais dans un pod, eh bien, tous les conteneurs tournent sur la même machine. Là, en l'occurrence, il y a juste mon Pet Store qui tourne. Et vous allez voir, la notion de pod, c'est assez important dans Kubernetes. L'idée, c'est si je tue ce pod, soit la machine tombe en panne, soit le logiciel tombe en panne, soit c'est moi qui le tue à la main, Kubernetes, en fait, va le recréer automatiquement. Parce que, à partir du moment où j'ai déployé des choses sur Kubernetes, il y a une boucle de contrôle qui va vérifier l'état attendu, l'état réel de mon cluster, la différence, et qui va essayer de corriger cette différence. D'accord? Donc si je tue le pod, il va réapparaître, donc il va redémarrer un autre Pet Store. Pendant un certain temps, mes utilisateurs ne pourront pas se connecter au Pet Store, mais très vite, ils vont pouvoir se reconnecter. Ok? Donc ça, c'était juste pour vous dire, prenez une application telle quelle, un monolithe, même très compliqué, vous pouvez la construire dans une image, le déployer dans une image, le déployer sur Kubernetes. Normalement, ce n'est pas plus d'une journée de boulot. Et avec ce pattern de multi-stage build, vous pouvez prendre tous les outils exotiques dont vous avez besoin dans des versions très particulières et construire votre application. Alors, à faire un petit peu de ménage avant de s'attaquer à OK, bah, cette application, comment on l'a fait évoluer? Comment on l'a fait évoluer? Donc, je vous ai dit, les développeurs, ils sont partis. Hein, ils ne veulent plus toucher à ça. Donc on va essayer de ruser un petit peu, on va essayer de faire évoluer l'application de l'extérieur. On ne va pas toucher aux sources de l'application, on va créer une petite façade devant qui va tourner dans un autre conteneur, qui sera collé à mon Pet Store et donc qui tournera dans le même pod. Et cette façade, c'est elle qui va apporter des améliorations à mon appli. Alors on a des limites à ce qu'on peut apporter, mais on peut, par exemple, implémenter ces trois fonctionnalités qu'on m'a demandé. On m'a dit qu'il faudrait qu'il y ait une page 404, de préférence plus jolie que le reste du site, parce que maintenant c'est comme ça que les sites font. Les URL, elles étaient un peu longues, on va les raccourcir. Et puis tout ça, à l'époque, on ne connaissait pas trop gzip, donc là, il faudrait que les URL soient, toutes les pages soient gzipées, hein, pour utiliser un peu moins de réseau. On pourrait imaginer d'autres fonctionnalités, mais ça, c'est celle qu'on m'a demandé. Et puis au passage, on m'a demandé aussi de pouvoir accéder au site sur un joli nom de domaine. D'accord ?
Donc pour ça, c'est facile, hein, vraiment. Il suffit juste de décrire une autre image Docker. Ça, c'est un serveur Nginx. Qui connaît Nginx ici? Ouais, donc c'est un petit serveur HTTP de type Apache, qu'est-ce qu'il y a d'autre? HAProxy, Traffic. Donc là, c'est un serveur boîte à outils HTTP dans lequel on peut mettre des pages statiques, mais on peut aussi mettre des règles pour réécrire des choses. Par exemple, ici, je dis, bah, j'active du gzip, j'ai mis une page 404, je réécris certaines URL, et puis surtout, ce qui est important, c'est que tout le trafic qui arrive sur mon proxy, il est redirigé sur le pet store après transformation, et toutes les réponses repassent aussi par Nginx et peuvent être éventuellement transformées. La syntaxe de Nginx, je vous invite à l'ignorer. Hein. Moi-même, quand j'écris ce fichier-là, à chaque fois, je repars de zéro pendant des heures. Hein. J'ai du mal. Une fois qu'on a construit cette image, on va modifier notre déploiement Kubernetes pour qu'il n'y ait non plus une image dans mon pod, mais deux images. Voilà. Et puis, je vais modifier un petit peu mon service pour modifier juste le port. Je ne vais pas être sur le port 8080, mais sur le port 80, c'est mieux. Et au passage, je vais aussi définir ce qu'on appelle un ingress. Un ingress, c'est pour un nom de domaine donné, voilà à quel conteneur, voilà à quelle application on va parler. Ce qui fait que mes utilisateurs, ils vont se connecter à un nom de domaine. Et puis, je peux faire tourner plein d'applications sur mon cluster. À partir du moment où elles ont chacune un nom de domaine différent, eh bien, ça va bien fonctionner. Ça, c'est des choses qui ne sont pas propres à Kubernetes. Le web est construit comme ça, mais c'est facile à faire avec Kubernetes. Alors, je vais déployer mon application qui est légèrement modifiée. Toujours la même commande, kubectl-apply, celle-là, normalement, à la fin de la démo, vous la connaissez par cœur, parce que j'ai un répertoire dans lequel j'ai mis tous mes fichiers YAML. Petit à petit, je vais en rajouter, je vais les modifier, et à chaque fois, je ferai toujours la même commande, kubectl-apply. L'idée, c'est que ces fichiers YAML, vous pouvez les mettre en gestion de conf, dans Git, vous modifiez les choses, vous committez, et vous faites un kubectl-apply, et ça va parler à Kubernetes, et ça va appliquer vos modifs. Donc voilà mon nouveau site, vous voyez, il est beaucoup plus beau, non? Bon, on va aller voir dans les détails, quand même. Donc dans les détails, normalement, je devrais avoir une page 404. J'ai une page 404. Ceux qui connaissent Antonio. Normalement, toutes mes ressources, ça doit être du gzip maintenant. Ça doit être du gzip. Soyons fous. Hop, ça va être écrit en tout petit. Faites-moi confiance, c'est du gzip maintenant. J'ai quand même réussi à modifier un peu mon application. Et puis, les URL, vous voyez, elles sont beaucoup plus courtes, j'ai un joli nom de domaine. Bon, j'aurais pu faire plus de choses que ça hein, de l'extérieur. C'est un pattern qui est assez puissant, en fait, de pouvoir modifier une application de l'extérieur. Ça marche très bien avec des applis web, parce que finalement, les utilisateurs appellent des URL. Soit elles vont être traitées par mon pet store, soit elles vont être traitées par mon frontal, éventuellement par les deux. Mais donc, je peux faire évoluer comme ça une application à l'extérieur. Alors, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant parce que c'est un pattern qui est utilisé très souvent dans le monde Kubernetes. Vous avez peut-être entendu le terme sidecar. Dans Kubernetes, on parle beaucoup de sidecar. C'est vraiment ça, un sidecar. C'est une façade, c'est un autre container qui tourne à côté de mes containers applicatifs et qui vient modifier les requêtes ou modifier les réponses, ou les deux. Et c'est sur ce pattern que se base Istio, que je vais vous présenter. Istio, l'idée, c'est tous les petits conteneurs en vert, là. Ce sont des conteneurs que vous installez sur Kubernetes et qui vont étendre la plateforme. Kubernetes, c'est une super plateforme pour déployer vos applis, hein, mais c'est aussi une super plateforme sur laquelle vous pouvez construire votre propre plateforme. Et Istio, c'est exactement ça. Ce sont des conteneurs qui vont utiliser tous les points d'extension de Kubernetes pour étendre la plateforme. Et en particulier, il y a un mécanisme très important dans Istio. Si vous devez écouter maintenant, c'est là, c'est ça. C'est dans chacun de mes pods, devant chacun de mes services, Istio va injecter une petite façade qui s'appelle Envoy. C'est un serveur HTTP comme Nginx. Et ce Envoy, en fait, il va capturer tout le trafic qui rentre sur mes services et tout le trafic qui sort de mes services. Et grâce à ça, en configurant bien ce Envoy, Istio va rajouter plein de fonctionnalités. Par exemple, à partir du moment où j'ai installé Istio et que j'ai déployé mon application, tous les services qui sont en bleu, au lieu de se parler en direct, ils se parlent au travers de ces petits Envoy, et donc les communications HTTP sont automatiquement transformées en HTTPS. Ça déjà, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous codez des applications qui font du HTTP, c'est du Python, c'est du Bash, c'est du Java, ce que vous voulez, vous ne gérez pas les certificats, vous n'avez pas la complexité supplémentaire de faire du HTTPS, c'est la plateforme qui va le faire pour vous. La plateforme, elle va gérer un certificat racine qui va être distribué sur tous les Envoy, et le Envoy, il va intercepter tout le trafic entrant et sortant vers le service, et boum,
tout votre trafic entre tous vos nœuds est sécurisé. Je dis toujours, la première fois que j'ai montré ça dans une banque, ils m'ont dit, ça c'est notre projet pour les deux prochaines années, on est en train de faire ça sur tous nos services, un par un. On rompt les codes, on ouvre, on dit, oh mon Dieu, c'est affreux, on essaie de trouver où on met du HTTPS, on gère les certificats nous-mêmes, et puis on fait ça. Et donc là, je leur ai dit, si vous aviez Kubernetes, il n'y aurait plus qu'à installer Istio. Istio va en profiter aussi, comme il intercepte tout le trafic qui va sur les services et tout le trafic qui sort. Et que Istio connaît le protocole HTTP et connaît le protocole gRPC. Il va savoir toutes les URL qui sont appelées sur tous vos services. Comme il connaît Kubernetes, il connaît les images de vos services, les versions de vos services, les labels que vous avez mis sur vos services. Et donc il va être capable de vous dire, voilà les services qui sont appelés, voilà c'est ce service qui parle à ce service. Il va vous apporter énormément de visibilité sur ce que vous avez déployé. Et ça, je vais vous le montrer. Et comment il fait ça, en fait ? Tout simplement, les petites informations qui sont capturées au niveau d'Envoy sont renvoyées vers d'autres composants qui tournent sur le cluster Kubernetes pour gérer de la visibilité, de la sécurité, des traces distribuées, des choses comme ça. C'est clair, ça ? Ce pattern de façade ou de sidecar, c'est vraiment super important. Il est basique. Vous avez vu juste avant, moi, j'en ai fait un tout bête qui mettait une page 404 et qui mettait du gzip. Et là, c'est utilisé d'une manière plus avancée. Mais ça reste finalement très simple. Alors ce que je vous propose, c'est que là, on a vu comment déployer une appli, on a vu comment la bidouiller un peu à la main, on va essayer de déployer une vraie V2 de mon appli, d'accord ? Une vraie V2, et on va essayer d'utiliser petit à petit Istio pour que je puisse vous montrer ce que ça fait Istio. Donc là, j'ai développé un autre service, un autre déploiement que je vais faire tourner sur le même cluster. Donc, pour résumer, j'ai mon Pet Store qui va tourner en version 1, et puis j'ai mon Pet Store qui va tourner en version 2. D'accord ? Ma version 2, c'est la version de dev. Je voudrais la donner aux mains de mes testeurs internes. Ça va tourner sur le même cluster. Et comment je vais savoir si les utilisateurs y vont sur la V1 ou la V2, d'après vous ? Je vais utiliser des noms de domaine différents. Je vais utiliser des règles d'ingress différentes. Ici, je vais avoir un dev.petstore.lol qui va pointer vers le Pet Store de dev, qui est en V2. Okay ? Donc deux fois la même appli, une en V1, une en V2. J'ai utilisé un super graphiste pour changer la feuille de style. Normalement, vous allez aimer. Le graphiste, c'était moi. Donc, je ne suis pas sûr que ça se passe bien. On va faire la même commande que d'habitude. Vous voyez, petit à petit, il a appliqué plus d'objets que tout à l'heure. Au début, on a commencé avec un déploiement, un service. Là, j'ai deux déploiements, deux services, deux ingress. J'ai pas besoin de me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai modifié dans mes YAML ? Je fais kubectl-apply, et lui, il va se poser la question pour moi. Donc là, le Nginx, il a démarré, il y a le Java qui est en train de démarrer derrière. Et voilà ma nouvelle application. C'est beaucoup plus beau, non ? En tout cas, moi, les tests clients m'ont dit qu'ils appréciaient beaucoup cette couleur. Vous avez vu, là, je suis sur dev.pestor.lol. Donc tous mes testeurs en interne peuvent tester ça. Ça, c'est super. Et au bout d'un moment, ils me disent, écoute, cette application, elle est vraiment beaucoup mieux que celle d'avant. On l'adore, hein. Et on voudrait la mettre aux mains des utilisateurs. D'accord ? Donc ça, il y a la technique du on arrête la prod et on démarre le dev et puis on envoie les utilisateurs dessus. Mais on pourrait faire un petit peu mieux que ça grâce à Istio. On va faire ce qu'on appelle un blue-green deployment. Encore une fois, ça, c'est une notion qui n'est pas complètement nouvelle, hein. Mais avec Istio, c'est vraiment facile. L'idée, c'est j'ai une application en V1, une application en V2, et je vais orienter les utilisateurs majoritairement vers la V1 et petit à petit vers la V2. Pendant que je les oriente vers la V2, je vais monitorer tout ce qui se passe sur mon cluster pour être sûr que je n'ai pas augmenté le nombre d'erreurs, que je n'ai pas augmenté les temps de réponse, que ça se passe plutôt bien. Si vous vous demandez, ça avec Kubernetes de base, c'est quasiment impossible à faire en fait. Kubernetes ne sait pas aller jusque-là dans le raffinement en fait. Il faut installer d'autres composants pour faire ça. Istio n'est pas le seul à faire du blue-green, il y a plein de composants que vous pouvez installer pour faire du blue-green, mais Istio le fait plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Istio va le faire pour vos applications qui sont face à vos utilisateurs, mais vous pouvez aussi faire du blue-green entre services. Imaginez que vous avez une application avec un service qui parle à un service, qui parle à un autre service, qui parle à un cinquième service, et bien vous pouvez changer la version du cinquième service et faire du blue-green entre ces services. Istio sait faire ça très très bien, et la plupart des autres solutions de blue-green ne savent pas faire ça très très bien. Alors comment moi je vais configurer le blue-green ? Eh bien c'est là qu'on se rend compte que vraiment Istio a étendu la plateforme Kubernetes en rajoutant des objets de base à Kubernetes, en particulier cet objet root rule, règle de routage,
Ça, c'est un nouveau YAML, c'est un nouveau type d'objet qui n'est pas connu par Kubernetes, qui n'est connu que par Istio. Et Istio va être capable d'interpréter ça et de configurer le réseau entre mes services pour pouvoir faire du blue-green. Et en l'occurrence, si je prends ce fichier-là tel quel, ça va dire que le trafic qui va vers mon objet, vers mon service PetStore, à 100% il va vers la V1 et à 0% il va vers la V2. Et petit à petit, on va changer ça. Alors je vais déjà appliquer ça. Normalement, ça ne doit rien changer, d'accord ? Tous mes utilisateurs vont aller vers la V1. Alors dans la vraie vie, là je vais petit à petit envoyer des utilisateurs vers la V2. Dans la vraie vie, vous voulez une notion de stickiness. Hein. Vous voulez qu'un utilisateur, quand il est à la V2, il ne repasse pas sur la V1 la minute d'après, d'accord ? Sinon, ça va être un peu compliqué. Surtout que là, je vous rappelle, ma V1 c'est fond blanc, V2 c'est fond violet. Si à chaque fois que je rafraîchis, j'ai une version nouvelle random, c'est un peu compliqué. Mais pour ma démo, bah, au contraire, c'est plutôt sympa. Donc on va faire un truc, je vous invite à ne pas le faire en prod, hein, comme on dit. Comment je vais appeler ça ? Blue-green. Je vais aller éditer directement cette règle que je vous ai montrée en YAML, là, je vais l'éditer directement en prod. Donc en fait, je vais dire à Kubernetes, renvoie-moi la config de cette règle, hein, ouvre-la-moi dans un éditeur, laisse-moi l'éditer, et quand je ferme, tu la renvoies au cluster. Tout ça, c'est assez facile, hein. C'est un petit peu comme quand on éditait des fichiers PHP en prod. Hein. Donc vous voyez, là, il y a plein d'informations qui n'étaient pas dans mon YAML. En fait, ce qui était dans mon YAML, c'est ces dernières lignes-là. Là. La spec, ça, c'est la spec que moi, j'ai envoyé. Et Kubernetes, lui, il a renvoyé plein de metadata sur... Il a rajouté plein de metadata, pardon, sur mon objet, en disant, voilà, ça a été créé à telle date, c'est en telle version, voilà l'ID unique, etc., etc. Mais moi, je peux modifier la spec. Je peux dire, par exemple, que 50% des utilisateurs vont aller en V1, et puis 50% vont aller en V2. On va y arriver. Donc normalement, à partir du moment où il va prendre en compte ça, et que je vais rafraîchir mon site, je devrais... Ouais, j'ai de la V2. Alors vous avez vu, là, il n'y a pas de stickiness, donc c'est un petit peu gênant pour un utilisateur final. C'est pas mal, non? Qui fait du blue-green ici, dans la vraie vie, hein? Personne. Qui a envie d'en faire maintenant et pense que c'est peut-être possible? Ah, 3, 4, 5, ouais, bah c'est bien. Ça ne résout pas tous les problèmes. Ça résout pas tous les problèmes. Faire un vrai blue-green, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a pas mal de cas qui peuvent être résolus vraiment avec Istio. Je vais vous montrer même, on peut faire mieux que ça, on peut vraiment monitorer ce qui se passe pendant mon blue-green. D'accord ? Donc, pour ça, je vais me connecter sur un autre service qui tourne sur mon cluster sur Istio, qui s'appelle Grafana. Donc, Grafana, c'est juste un logiciel de dashboard, hein, qui va m'afficher des métriques. Ces métriques, ils viennent de Prometheus. Prometheus, c'est aussi un logiciel de monitoring qui va me permettre de récupérer depuis les nœuds des métriques de monitoring. Mais comme Prometheus, là, il a interface avec Istio, je vais avoir des métriques vraiment sur mes services. Quelles URL sont appelées? Quels sont les temps de réponse? Quels sont les codes d'erreur HTTP? Vous allez voir, ça, c'est pratique. Et donc, quand on installe Istio, on a quelque chose comme ça. On a le volume total de requêtes entre tous mes services sur tout mon cluster. Le taux de succès global de tous les endpoints. Tout ce qui n'est pas erreur 500, je le vois ici. Le nombre d'erreurs 400, le nombre d'erreurs 500. La ligne d'en dessous, j'ai le détail par service. Et la ligne d'en dessous, j'ai le détail par version de chaque service. Donc là, on a une vision très qualitative de ce qui se passe sur mon cluster. En général, les gens, avant d'installer des choses comme ça, ils ont une vision en nombre de CPU, ils ont une vision en occupation mémoire, quelques petites métriques un petit peu fonctionnelles, mais là, on a vraiment une vision au niveau L7, au niveau HTTP, où on voit vraiment tout ce qui se passe. Je me suis d'ailleurs fait un petit dashboard spécialement pour moi, qui m'affiche le nombre de requêtes qui vont sur la V1. C'est en bas, en vert, là. En vert, c'est la V1, et en orange, c'est la V2. D'accord, hein ? En orange, c'est la V2. Et donc, ah bah ça, je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié un truc. Attendez, excusez-moi. J'ai oublié une commande magique. Je vais lancer Chrome dans une boucle, juste pour pouvoir ajouter du trafic sur mon cluster. Je n'ai pas d'utilisateur. Personne ne veut utiliser le Pet Store. Donc là, je vais lancer un Chrome qui va se connecter à mon Pet Store, qui va afficher la page principale. Et on va regarder ce qui se passe sur mon monitoring. Normalement, je devrais voir 50% des requêtes sont répondues par la V1, 50% sont répondues par la V2.
Donc là, vous pouvez monitorer le nombre de requêtes, vous pouvez monitorer l'évolution du temps de réponse, vous pouvez monitorer le nombre d'erreurs, etc. Et vous pouvez voir si le nombre d'erreurs a augmenté avec la nouvelle version ou pas. Donc là, on est à peu près à 50-50. Ce que je vous propose, c'est que on va modifier les poids. Hop, on va y arriver. Comment je l'ai appelé ? On va passer non plus à 50-50, mais par exemple à 80-20. Non, c'est dans l'autre sens. Personne qui suit. Et donc là, on va voir le trafic automatiquement changer de répartition. Au bout de quelques secondes. C'est pas mal, non ? Donc là, vous pouvez vraiment déployer votre application en dev, la déployer sur le cluster, la faire tester à des utilisateurs en interne, et ensuite, petit à petit, migrer tous vos utilisateurs vers cette nouvelle version. On va finir notre migration, on va envoyer tout le monde sur la V2. Hop, hop, hop. Check. Raté. Ouais, bon, d'accord. Donc là, normalement, j'ai ma V2 qui répond. C'est pas mal, non ? Là, vous avez vraiment une vraie visibilité sur ce qui se passe sur votre cluster pendant le blue-green. Et voilà, tout le monde va sur la V2. Donc là, on a appris à déployer une application, à modifier l'application, déployer une V2 en test et faire un blue-green. Maintenant, là, on se sent bien, on va faire carrément évoluer l'application, on va réécrire un bout complet de cette appli. On va réécrire quel bout ? En fait, on va réécrire toute la partie UI. C'est la plus facile. On va réécrire toute la partie UI et on va laisser tout le reste dans le Pet Store tel qu'il est. Et en fait, notre architecture, elle va ressembler à ça. On va laisser le Pet Store avec son petit Nginx en frontal. On va déployer un nouveau microservice ici qui sera notre nouvelle UI avec lui-même sa petite façade. Donc la petite façade, elle va servir des pages HTML, JavaScript, CSS. Et la nouvelle UI, en fait, c'est quoi ? C'est un composant en Go qui est une nouvelle API REST. Cette API en Go, en fait, eh bien, à chaque fois qu'on va faire une URL /UI ou /API, on va passer dans ce nouveau composant. Toutes les autres URL vont être envoyées vers l'ancienne appli Pet Store. Et notre nouvelle appli, elle ne va pas inventer ses données de nulle part, elle va les consommer depuis l'ancien Pet Store. Ce qui fait que vraiment, c'est comme si j'avais pris un bout de mon Pet Store, je l'avais réécrit à l'extérieur, et j'ai réorganisé la configuration d'Istio pour pouvoir avoir une application non plus monolithique, mais en deux blocs. C'est clair, ça ? Ouais, un peu. Bon, on va le déployer, comme ça sera peut-être plus clair. Avant ça, je vous montre ce que je vais déployer. Je vais déployer un nouveau service d'UI, un nouveau déploiement d'UI avec ces deux images Docker, une ici, une là. Je vais définir un ingress tout à coup qui n'est plus juste pour tel nom de domaine, alors tu vas vers tel service. Là, c'est un peu plus compliqué. J'ai vraiment des patterns d'URL, et en fonction de l'URL, je vais aller vers un service différent, soit le nouveau service d'UI, soit l'ancien service Pet Store. Et je vais même faire une autre règle qui est une sorte de redirect vraiment global. Si un utilisateur se connecte sur l'URL /shopping/main.xhtml, on va le renvoyer sur /UI, vous allez voir pourquoi. Hop. Toujours la même commande magique. Donc là, il a déployé mon application ancienne, le Pet Store, une nouvelle UI, il a reconfiguré toutes les règles de routage, et normalement, je devrais avoir un nouveau site. Ouais. Ouh là là. Donc là, j'ai mon Pet Store, nouvelle génération, magnifique, on peut acheter des poissons. Alors, j'ai pas eu le temps de tout finir, donc si vous allez sur admin, vous retombez sur le Pet Store. Là, vous avez en fonction de l'URL, je vais vous envoyer sur la nouvelle appli ou sur l'ancienne appli. Et si vous allez ici, ça vous envoie, alors c'est écrit tout en petit là, bon, c'est caché derrière, mais ça vous envoie sur /shopping/main.xhtml, ça me revient sur ma nouvelle UI. Et donc là, voilà, j'ai fait évoluer mon application pour qu'elle ne soit plus composée d'un seul monolithe, mais bien de deux blocs. Et si vous regardez un petit peu comment ça se passe, donc l'UI, ici, elle doit appeler une URL qui est /API/categories, c'est du JSON, d'accord ? C'est du JSON, et ce JSON, en fait,
c'est mon application Go qui va requêter l'API REST du Pet Store, qui me renvoie un truc pas du tout comme ça. Hein. Ça me renvoie du JSON des années 80, là, dont le schéma est deviné à partir des schémas des bases de données grâce à Hibernate. Vous imaginez le truc ? Donc le Go, il prend ce truc-là, il le convertit en un format beaucoup plus simple, pour que l'application, petit à petit, bah, soit un petit peu rajeunie. Ça, c'était assez facile de faire évoluer l'application, et je peux aller rajouter plus tard un autre service, et puis encore un autre service, et petit à petit, mon application Pet Store, en fait, elle sera toujours la même, c'est toujours le même code que j'ai déployé, j'ai pas enlevé son bout d'UI, mais les URL ne sont plus utilisées par mes utilisateurs, et petit à petit, cette application, elle va, en gros, se dessécher, hein, se vider, hein, naturellement. Alors, il y a juste un petit problème dans mon approche. Est-ce que vous voyez le problème ? Avant, j'avais un bon vieux gros monolithe. Tout ça, ça se parlait en mémoire. Et là, maintenant, j'ai deux services qui se parlent sur le réseau. Donc là, ça y est, c'est fini. Déjà, je ne sais plus ce que j'ai déployé, qui parle à qui. Et en plus, je vais avoir des problèmes de communication réseau en permanence. Alors qu'avant, ça se passait bien, tout était en mémoire. Donc là, Istio peut aussi m'aider. Il peut m'aider, par exemple, en visualisant quels sont les services que j'ai déployés sur mon cluster. Quand vous parlez à des gens qui font des architectures microservices, en fait, très rapidement, ils ne savent plus du tout ce qu'ils ont déployé sur leur cluster, d'accord ? Ouh, tiens, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à cette image-là. Est-ce que c'est bien, cette image-là ? Bon, ouais, c'est à peu près bien. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que mes utilisateurs, ils arrivent par l'ingress, là, ils parlent à l'UI en V1, ou ils parlent directement au Pet Store, ça, c'est les pages d'admin. L'UI se parle à lui-même, l'UI, elle consomme le Pet Store. Il se trouve que là, j'ai aussi mon vieux Pet Store que j'ai utilisé tout à l'heure, qui avait encore quelques petites requêtes qui lui étaient envoyées. Mais globalement, je vois vraiment que ce que j'ai déployé, c'est ça. Et a priori, donc j'ai bien configuré mon application. C'est bien comme ça que moi, je l'avais en tête. C'est ça que j'ai mis dans l'YAML. Et je peux vérifier grâce à Istio que c'est bien ça qui a été déployé. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. Le YAML, c'est un langage comme un autre. Vous allez faire des erreurs. Vous allez vous planter d'une version, d'un label, d'un petit caractère qui va faire que ce que vous déployez en prod, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Et ben là, vous pouvez venir le valider opérationnellement. Et vous voyez, là j'ai fait un refresh et maintenant il me dit, bah attends, les autres composants, ils ont plus reçu de trafic depuis 5 minutes. Donc je t'affiche vraiment les trafics sur ton, les composants sur ton cluster qui reçoivent du trafic. Qui trouve ça pratique, ça, le service graph ? Quand même. Dans les versions plus récentes du service graph, vous avez un truc avec D3JS où vous pouvez être un peu, c'est un peu plus interactif, mais le rendu n'est pas foncièrement meilleur. Je vous cache pas que si vous commencez à avoir 50 microservices dans 50 versions différentes, le schéma va être un petit peu flou aussi. Mais déjà, ça va quand même vous permettre de suivre un peu les lignes et de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est encore une fois Istio qui nous apporte ça, uniquement parce qu'il est capable de capturer le trafic à l'entrée et à la sortie de chaque service et de savoir, tiens, ce service, il parle à celui-ci. Et comme il connaît les versions, il m'affiche un graphe intéressant pour moi. Istio peut faire bien plus que ça. Là, on a vu vraiment la visibilité, le blue-green, mais il y a ce problème de réseau. Maintenant, mes services se parlent sur le réseau. Le réseau, ce n'est pas notre ami. Donc, comment on fait pour contrebalancer ça ? Eh bien, Istio se propose de rajouter de la résilience entre mes services. Par exemple, par simple configuration YAML, je vais pouvoir définir des retries entre mes services. Je vais dire quand le service UI il parle au service Pet Store, il va réessayer 5 fois l'appel. S'il y a un problème qui est juste temporaire sur mon réseau, cette simple stratégie-là va permettre de rattraper le problème et de récupérer un fonctionnement normal. Et ça, vous n'avez pas besoin de le coder dans vos applis, vous le codez dans la plateforme. Si vous deviez le coder dans l'appli, chaque fois que vous avez un code qui est client d'un autre service, vous devriez faire des boucles de retry à chaque endroit dans le code. Là, c'est fait par la plateforme. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez faire aussi l'inverse. Vous pouvez injecter, grâce à Istio, des erreurs ou des timeouts, des choses comme ça. Vous pouvez dire, par exemple, quand ce service parle à ce service, dans 20% des cas, ça va répondre une erreur 400 ou une erreur 500, ou ça va répondre avec 10 secondes de retard. Ça, c'est un truc qui est intéressant, ça va vous permettre de tester votre application en conditions réelles. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a des erreurs ici ? Qu'est-ce qui se passerait s'il y a un composant qui réagit avec un petit peu de retard ? Est-ce que les autres composants arrivent bien à rattraper le problème ?
Donc là, à partir du moment où vous faites des microservices, vous avez la possibilité de tester qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème sur mon cluster. Vous avez la possibilité aussi de faire des circuit breakers. Vous savez, le circuit breaker, c'est vous avez un service qui parle à un autre, et puis tout à coup, celui-là, il tombe en panne, mais au lieu de répondre tout de suite « je suis en panne », il ne va pas répondre. Le client, lui, il va attendre 30 secondes ou 60 secondes. Au bout de 60 secondes, il va dire « ah, tiens, il y a un problème ». Ça remonte à l'utilisateur. Pendant ce temps-là, en fait, il y a plein d'autres composants qui ont commencé à interroger le composant qui est en panne, et tout le cluster est en train d'attendre un seul composant qui est en panne. L'idée, c'est que là, Istio, lui, va être capable de monitorer ses composants et de dire « non, je coupe le circuit, tant que ce composant-là est en panne, moi, je vais répondre tout de suite une erreur, et en tâche de fond, j'attends, je vérifie, j'attends que ce composant revienne en marche. » Et ça, ça va vous permettre de baisser complètement la charge sur votre cluster en cas de panne. Parce qu'en cas de panne, c'est ça qui se passe, c'est que tout le monde attend un petit composant qui ne répond pas, mais tout le monde a ses propres timeouts, et c'est en général l'horreur. Donc là, encore une fois, il y a plein de logiciels, de librairies, dans plein de langages pour faire du circuit breaker, et là, c'est la plateforme qui va le faire pour vous. Un autre que j'aime beaucoup, et je fais une démo en ce moment avec ça, c'est le mirroring. L'idée, c'est que tout le trafic qui arrive sur un service vers un autre service, je peux aussi l'envoyer en double sur une version de dev de mon service. L'idée, c'est, par exemple, mes utilisateurs ils vont parler à la prod, et je voudrais voir qu'est-ce qui se passerait si toutes les requêtes de mes utilisateurs allaient aussi sur un service qui est en dev. Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il a un taux d'erreur important, plus important qu'avant, moins important qu'avant? Et ça, Istio va le faire. Il va prendre tout le trafic, l'envoyer sur mes services en prod, mais de façon asynchrone, il va aussi envoyer une copie sur les services en dev. Ça, c'est super pratique. Il y a plein de personnes que je croise tous les jours qui me disent « mais j'essaie de faire ça à chaque fois en capturant du trafic pendant 2 jours, en l'injectant sur mes services, pour être sûr à l'avance que peut-être, si j'ai des utilisateurs un petit peu bizarres, eh ben, ça fonctionne quand même. » Et enfin, la dernière démo que je vais vous faire, c'est la notion de pouvoir mettre des... d'en forcer une policy globale à votre cluster et de dire, tiens, par exemple, ce service-là, il ne peut pas être requêté plus de 10 fois par seconde. Pourquoi on voudrait faire ça? Par exemple, sur mon Pet Store, j'avais mon appli Java, maintenant j'ai une appli Go qui lui parle, et je sais que le Java, au-delà d'une requête par seconde, il ne réagit pas bien. Le garbage collector commence à s'emballer, il prend toute la mémoire, il commence à tomber en panne, et moi je voudrais pouvoir, sans modifier le code, garantir que personne... globalement, si je fais la somme de toutes les requêtes, que ça ne fasse pas plus d'une requête par seconde. Alors je pourrais aller modifier tous les clients, je pourrais aller modifier mon application, ça serait un peu compliqué. Avec Istio, j'ai juste à définir ça au niveau du cluster, par du YAML. Ce n'est pas l'exemple le plus concis de YAML, celui-là, mais bon, je vous invite à me suivre. On va définir des quotas, on va définir que le cas général, c'est qu'on autorise 5000 requêtes par seconde entre tous nos services. Par contre, si c'est l'UI qui parle au Pet Store, à ce moment-là, on se limite à une requête par seconde. Ça, c'est juste du boilerplate, et ça aussi. On y va. C'est pas le meilleur exemple de config super concise. On va appliquer cette règle, et à partir de maintenant, sur mon cluster, quels que soient les clients de mon Pet Store, ils vont pas pouvoir faire plus d'une requête par seconde sur le Pet Store. Même si ce Pet Store-là, il est dupliqué en plusieurs réplicas, il y a Istio qui va vérifier. Alors ça donne quoi en pratique? En pratique, ça va donner parfois ça. Mon application n'a pas été conçue pour. Si je zoome un peu, je regarde ce qui se passe. Eh bien, de temps en temps, quand il va récupérer les datas pour afficher, tac, ça va lui dire « Error 429, too many requests ». C'est exactement ce que je voulais. Normalement, c'est l'application, ma nouvelle UI qui doit gérer ça, dire « ah tiens, j'appelle un service et apparemment je requête trop, moi ou quelqu'un d'autre, je devrais afficher un message d'erreur ou réessayer plus tard. » Et là, ce qui se passe, c'est que c'est Istio qui a intercepté le trafic du service du UI, et avant même de l'envoyer au service Pet Store, il a coupé, il a dit non, pas plus de une par seconde. Ça fait que moi, mon application Java, elle a l'impression qu'elle est dans un monde de bisounours, on lui demande des choses qu'une fois par seconde, tout se passe bien, le garbage collector est tout content. Voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire avec Istio. Donc, on l'a vu, rajouter de la visibilité sur votre cluster, qu'est-ce qui est déployé, qui parle à qui, quels sont les endpoints qui sont appelés. On a vu aussi la notion de blue-green deployment, on peut vraiment faire du routage intelligent, vous pouvez faire du canary build, c'est-à-dire, par exemple, servir une version pour un utilisateur ou un jeu d'utilisateurs donné, et puis laisser les autres utilisateurs accéder à l'application en prod. Vous pouvez faire, donc j'ai dit du blue-green canary build, du mirroring,
Vous pouvez définir des limites sur au nombre d'appels autorisés par vos services pour faire du SLA. Voilà, ça c'est vraiment des choses que vous pouvez faire avec Istio assez facilement juste en l'installant sur Kubernetes. Oups. On va y arriver. Prochaine étape, vous pouvez peut-être aller récupérer Istio. Hein. Istio, c'est open source, c'est sur GitHub. Moi, la démo que je vous ai faite, là, c'est une version un peu vieille, mais la dernière version qui est sortie, c'est la 0.8. La 0.8, c'est la version qui est considérée presque production ready. À partir de la 0.8, on commence à plus trop casser les API et à juste faire des optimisations de perf. Il y a déjà des utilisateurs qui utilisent ça en prod, des sites à fort trafic qui utilisent ça. Ils n'utilisent pas toutes les fonctionnalités d'Istio, ils n'en utilisent que certaines. Mais vous, je vous invite à essayer ça sur votre cluster. Si vous n'avez pas le cluster Kubernetes, vous pouvez faire comme moi. Moi, j'ai juste ici installé Docker for Mac. Docker for Mac, c'est la meilleure façon d'installer Docker sur sa machine. Mais en plus, vous avez maintenant, sur les versions bêta, vous avez un onglet qui vous permet de démarrer un cluster Kubernetes avec un nœud sur votre machine. Toute la démo que je vous ai faite, elle tourne sur ma machine, en fait. Mais vous pouvez la faire tourner, bien sûr, sur un Kubernetes sur le cloud. Vous pouvez aller sur le cloud de Google. On a GKE, qui est un Kubernetes complètement managé. Mais vous pouvez tester tout ça en local. Voilà, j'espère que c'était une bonne intro à Istio. Et puis, j'espère que vous avez des questions pour moi. Merci. Il y avait un site de questions, normalement, non? C'est ça? Non, je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui avait un site. Tu avais un site de questions, toi, mais... Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Qui est-ce qui est derrière Istio? Donc c'est un projet open source qui est les deux boîtes contributrices les plus actives, c'est Google et IBM. Et en l'occurrence, Google et IBM, ça fait plusieurs mois qu'ils accompagnent des gros clients dans l'adoption d'Istio, dans la compréhension de comment Istio peut les aider. Hein. Et là, la version 0.8, c'est vraiment l'aboutissement de cette collaboration. Mais il y a d'autres sociétés qui collaborent à l'open source, il y a des particuliers qui collaborent à l'open source. Mais c'est vrai que c'est poussé à fond par Google et IBM. Pourquoi, en fait? Pour que les clients qui déploient du Kubernetes aient de la sécurité, de la visibilité, des fonctionnalités de routage avancées. Et il y a même des choses dont je n'ai pas parlé dans Istio, c'est que ça vous permet de faire aussi du multi-site, multi-cluster ou cluster vers VM. Vous avez tous vos workloads dans des VM. Petit à petit, vous passez à Kubernetes. Elles ont quand même besoin de consommer des VM. Et donc là, vous pouvez installer Istio en mode hybride. D'autres questions? Non, ouais, aucune. C'était super clair, en fait. Vous avez tous envie de faire du Istio maintenant. Qui a envie de faire du Istio maintenant? Bon, ça va, ça, c'est mieux que les questions. Hein? Tester? Bah ouais, non, mais tester, c'est adopter. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les boîtes qui ont... décider d'utiliser Istio, l'ont utilisé en se disant « j'installe pas tout de suite ». Vous avez vu les petits composants verts que je vous ai montrés, c'est plein de composants, Service Graph, Grafana, Prometheus, Zipkin, tout ça vous pouvez ne pas les installer. Ça veut dire que vous pouvez dire « tiens, moi ce qui m'intéresse au début c'est sécuriser la communication entre mes services, donc j'installe pas tout ça. J'ai pas la visibilité mais j'ai la sécurité ». Ou il y a d'autres boîtes qui disent « non mais moi mon réseau il est déjà chiffré, tout ça, j'ai pas besoin de tout ça ». Mais j'ai besoin de la visibilité, parce que ça fait 3 mois qu'on fait des microservices, et j'en ai déjà 2000, je ne sais plus qui parle à qui. Donc vous pouvez vraiment choisir. Il y a une présentation d'un de mes collègues, Dan Cirulli, qui est Product Manager sur Istio, et il a fait une présentation qui s'appelle Istio à la carte, elle est en anglais, mais si vous cherchez Istio à la carte, normalement il vous explique des vrais cas d'utilisation de vrais clients qui ont adopté Istio en prod. Pas de questions? Merci beaucoup.